Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va faire une activité un peu différente. Je vais lire un court texte à propos du printemps, c'est ici. Mais au lieu de vous montrer les images, c'est à vous aujourd'hui de dessiner les images qui vont avec mon texte. Je vais lire 10 phrases avec des couleurs et des objets du printemps. Vous allez écouter et dessiner. Si je parle trop vite ou si tu as besoin d'un moment à finir une partie de ton dessin, pause la vidéo. Quand tu es prêt, tu peux continuer, OK? So, if I'm speaking too quickly or you need a moment to finish what you're drawing, pause the video. When you're ready to start again, just hit play and we can keep going, OK? Quand tu écoutes les phrases, quand tu dessines, c'est très important que tu penses aux couleurs et peut-être au nom, au numéro, combien de chaque objet. Quand je regarde ton dessin sur CISA, je cherche si tu as bien écouté à mes phrases. Okay? Bon, je vais commencer. Il y a seulement 10 phrases. N'oublie pas, tu peux arrêter si tu as besoin d'une pause. Bon. Je vois un jardin. Dans le jardin, il y a une fleur rouge et deux fleurs roses. Un ver de terre est sur la fleur rouge. Il y a un arbre à côté des fleurs. Dans l'arbre, il y a un nid. Un lapin brun saute sous l'arbre. Il y a une fille qui porte des bottes de pluie orange et un manteau vert. La fille a un parapluie violet dans sa main. Un papillon jaune vole à côté de la fille. Dans le ciel, je vois 5 nuages et 4 oiseaux bleus. Je vois le soleil dans le ciel. Ça, c'est tout. Alors maintenant, quand tu as fini ton dessin, prends une photo et partage avec moi sur CISA. Tu ne dois pas écrire des choses, tu ne dois pas ajouter autre chose. Dessine seulement ce que j'ai décrit. Si tu dois réécouter, if you need to listen again, c'est complètement correct. Tu peux retourner au début et réécouter la vidéo. N'importe combien de temps, OK? Alors, j'ai hâte de voir vos dessins. Et après ça, c'est une bonne idée d'aller dehors et trouver des fleurs et des lapins et des arbres. OK, bon. Au revoir, les amis.